Eh bien, salut à tous, c'est Naxi. Vous l'aurez compris à l'écoute du petit générique que je vous passe, qui est le générique de la série Urgence, qu'on va traiter du domaine médical aujourd'hui dans un petit jeu. Donc, ce sera Surgeron Simulator 2013. Donc, c'est un jeu à l'intérieur duquel vous allez diriger la main d'un chirurgien, une unique main, oui, sûrement peut-être un demi-manchot ou un mec qui s'est fait couper le bras. Alors je dois vous avertir tout de suite, la maniabilité du titre est vraiment spéciale, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter tout simplement, parce que c'est juste à mourir de rire, on fait juste n'importe quoi, on a l'impression d'être complètement bourré quand on opère la personne. On va pouvoir attraper, enfin du moins essayer d'attraper tout ce qui se trouve sur les plans de travail à gauche et à droite. Il y a plusieurs types d'opérations, mais sachant que je n'arrive personnellement pas à passer ne serait-ce que la première, donc là vous voyez, voilà, j'essaie de m'amuser à lui ôter le masque, on peut pas. Dans des niveaux un petit peu plus avancés, on va pouvoir lui bouger la tête, on va pouvoir faire des opérations du cerveau et des choses comme ça, mais c'est pas mon cas, hein, vu que cette opération de transplantation du cœur, j'arrive déjà directement pas à la passer, vous allez comprendre pourquoi. Donc au niveau de la maniabilité, avec la souris on va contrôler l'orientation de la main, avec le clic droit on va pouvoir la faire bouger comme je le fais là à l'heure actuelle à l'écran pour la faire basculer donc sur le côté ou à plat. Avec les touches du clavier, on va s'en servir pour prendre des objets, comme là par exemple le marteau. Je vais essayer de casser les os de la cage thoracique en faisant un coup sec. Et il va essayer de pas faire, mourir le mec en même temps. C'est assez difficile. Voilà, comme vous voyez, la maniabilité elle est un peu galère. Voilà, donc il y a les poumons qui se baladent. On va essayer de nettoyer un petit peu tout l'intérieur du truc. Donc comme je vous disais, hein, c'est à mourir de rire. C'est un jeu qui coûte dans les 9,90€ sur Steam. Il est souvent en promo à 6,99€. Au moment où je fais cette vidéo, il est d'ailleurs en promo à 6,99€. Mais au moment où je la fais, c'est peut-être pas le moment où vous l'aurez. Parce que vous savez, étant en pleine période de déménagement, je vous ai préparé quelques vidéos d'avance. Donc là voilà, j'essaie de faire un petit peu le grand ménage. On va dégager donc les poumons. Donc comme vous voyez, c'est plus du docteur Maboul que de la chirurgie réelle. On n'est pas là du tout sur une simulation, on est sur quelque chose qui se prend pas au sérieux. Avec une physique assez sympa quand même. Mais bon, voilà, ça reste du petit jeu, comme j'en présente de temps en temps, voilà, je galère à prendre le poumon. Donc comme je disais, avec le clavier, avec la touche A, Z, E, R, D et espace, on va contrôler les doigts, et avec la souris et le clic gauche et le clic droit, on va pouvoir essayer de saisir et essayer de faire bouger la main. Donc là voilà, j'essaie de nettoyer. Donc là dans cette partie du jeu, il faut essayer d'y changer le cœur, mais j'ai pas j'y arrive pas. J'ai essayé à plusieurs reprises avant de vous faire cette vidéo, j'y arrive pas. Donc bon bah c'est pas grave, peut-être que je m'y prends mal. Voilà, on va lui mettre les os un petit peu sur la gueule. Ouais, voilà, on va essayer de... Voilà. Comme vous voyez, hein, l'inclinaison de la main, donc je me sers souvent de l'index et du pouce, puisque les autres, j'y arrive pas, hein, parce qu'il est majeur, l'auriculaire et l'annulaire, pour moi, pendant que je joue, ils me servent strictement à rien. Voilà, on va essayer de mettre la main dans le bide un peu comme ça. Ah, c'est galère, tout ça. Mais bon, je tenais à vous le présenter, puisque bah, ça m'a fait rigoler de voir... Il y a un trailer qui est super sympa, que je vous invite à aller chercher sur internet, où on voit quelqu'un qui maîtrise un petit peu mieux que moi le jeu. On voit d'autres choses qu'on peut y faire d'ailleurs. Donc là vous voyez, voilà, je vais essayer d'attraper le cœur, voir si on arrive à l'arracher. On va incliner un peu la main comme ça, essayer d'attraper le cœur. Oh, ah non, j'y arrive pas. Ouais, c'est assez spécial. Bon voilà, j'essaie de secouer le cœur, de l'arracher, j'y arrive pas. Ouais, donc libre à vous après d'essayer de prendre les différents autres objets qui composent les choses qu'il y a sur la table, comme là par exemple la seringue, mais bon, vous voyez, hein, c'est pas spécialement maniable. On a également le Dremel qu'on va essayer de choper juste après. Ouais, donc, vous voyez, quand il s'agit de faire une piqûre, c'est pas ce qu'il y aura de plus simple à effectuer. On va maintenant passer du côté du Dremel, hein. Je vais couper puisque sinon je veux pas que le gameplay soit long. Voilà, on va s'amuser 2 minutes avec le Dremel, et pour finir sur une petite pointe d'humour, je vais vous montrer la chose que j'ai essayé de faire mais que je n'arrive pas, et d'ailleurs le patient est mort pile poil à ce moment là. J'essayais tout simplement de faire un fuck avec les mains du personnage, mais ils y ont pensé et c'est juste pas possible. Voilà, donc c'est pas la peine d'essayer, c'est pas possible, on peut pas plier les bons doigts et faire un fuck au patient, c'est pas possible.
ça le fait mourir même au moment où j'essaye. Donc voilà, bon bah j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser. A ciao tout le monde.